Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème et peut-être dernier épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 5. Et donc la dernière fois on avait fait pas mal de prises, on avait un peu galéré hein, parce que c'était compliqué, j'arrêtais pas de me faire tuer bêtement. Mais là on est bon, il nous reste plus que 3 grandes villes à récupérer, je pense qu'on devrait y arriver dans cet épisode. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous reprends, on venait de choper le château de Ribelet. Reste Praven et Yelena. Ah mais non, il ne reste plus que 2 grandes villes, c'est encore plus simple que ce que je pensais. Praven et Yelena. Bon bah pourquoi pas, allez go. On va aller voir du côté de Praven. Le tout c'est de pas se faire récupérer le château évidemment hein. Ce qui risque d'être le cas très clairement. 280, ouais bon, ok. C'est des échelles en plus. GG easy, j'ai envie de dire. Et ensuite on ira à Yelena. Bon. Allez, oula, ça rame un peu, voilà, c'est bon. Donc, il est temps de récupérer Praven qui nous avait été repris par le royaume d'Aenor bêtement, pendant que moi je m'occupais du sud. Pendant que je m'occupais du sud, ils ont récupéré pas mal de grandes villes. Ça m'a un petit peu saoulé, parce que ça on les avait récupérés aux Swadiens. Mais bon, on est là pour tout reprendre. Allez. Le tout c'est d'arriver à monter et pas trop se faire pousser. Et qu'il fasse quelque chose. Allez. Ok. Aïe. Aïe aïe aïe. Ok, ok. J'ai pris pas mal cher, mais bon. Ça devrait passer. De toute façon, on en a 150/200 à tuer. Ça devrait être faisable. Alors, par contre, il va falloir arrêter de se mettre devant moi. Ils vont monter par où? Faudrait que je puisse aller tuer les archers là-bas. Poussez-vous! Bordel à couille. Ah! Ils sont nuls! Ok. Allez, on va aller se battre au checkpoint. Il en reste un là-haut. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ok. Merde. 4 points de dégâts, ça va. Ça se passe plutôt bien. On est à presque 50, ou on doit avoir dépassé les 50. Ok. Oula. Commence à y avoir de plus en plus de tirailleurs. Ah. Oui, aïe, 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 aïe. Je me fais tirer dessus. C'est relou. Plus ils ont de plus en plus. J'ai un énorme pieu dans le dos. Bon. Là ça passe. Le tout c'est d'aller chercher les archers, mais le problème c'est que tout seul je vais pas y arriver. Hein. C'est ça, les arbalétriers vétérans là ils font bien mal. Et plus ça va, plus il y en aura au fond. Parce qu'il y aura de moins en moins d'unités à la. D'unités d'attaque. Il y aura surtout des archers. Et tout. Ils risquent de nous pilonner, genre peloton d'exécution. Voilà, maintenant faut qu'on avance. Voilà, une fois qu'on est au corps à corps, ça devrait aller beaucoup mieux. Surtout que je vais pouvoir m'occuper de ceux qui sont pas encore sortis de leur mode. Ok.
Ah, tu veux arrêter de brandir ton bouclier, peut-être? Ah merde, c'est pas fini du tout. Des renforts sont arrivés. Ah, eh oh. Ok. Et bim, niveau 36! Et je crois qu'on arrive à la fin. Il doit rester ceux de là-haut, ouais. Ils sont tous remontés, je sais pas trop pourquoi, mais ils sont tous remontés. Il en reste 8. 7. On devrait y arriver. Et voilà, on doit arriver au bout. Yay! Bon, maintenant, les rues. Ah, wow, 7 de dégâts. Ok, où sont les autres? Il y en a un peu partout. Il y en a un là-bas, on va aller le chercher gentiment. Il y en a même deux. C'est bien, tu sais viser, mais par contre, t'as touché mon bouclier. Il en reste 3, ils sont en train de venir sur nous. J'ai cru qu'il allait m'avoir parce que vu son allonge, je me suis dit c'était plutôt lui qui gagnait, mais finalement non. Ok. Et reste le donjon. Aïe. Ok, bon. Ça c'est fait. Praven c'est fait. Ok, il y en a plein qui ont réussi à se barrer. On va recruter 2-3 trucs pour remonter en 190. On va recruter évidemment les jusqu'à 190 si on peut. Et je vais tout poser dans la ville, ça ira plus vite. J'aime bien ce que pour recruter des fermiers, des paysannes, machin. Et sinon, on s'en fout un peu. Alors, ok. Maintenant, on va pouvoir poser des trucs. Parce que franchement, des fermiers. Ah, on peut les améliorer en guitare. Pire, j'ai tellement de thunes. Hop, hop. On va redescendre à 156. Bandit des montagnes. Ah d'accord. On peut quand même les upgrade, même si c'est juste des pierres. Toc. J'améliore un petit peu mes unités, histoire de... Ouais, je pense que 160 c'est pas mal, on va garder 160. Le reste je vais améliorer un petit peu, et puis de toute façon ça en fait déjà 30 ici. Hartenheimer et Firenze ici sont bons. Place du marché, on va acheter un peu de bouffe, évidemment, comme d'habitude. Hop, viande séchée, tap tap. On est bien, surtout qu'on avait plus beaucoup de bouffe. Taverne, il n'y a pas quelque chose à faire dans cette taverne. Rançonneur, arbalétrier mercenaire, voyageur. Peut-être un arbalétrier mercenaire. Hop, ça fait toujours plaise. Voilà. Ensuite, Hartenheimer et Firentis, ils ne servent à rien parce que c'est Borcha et Marnid qui nous servent. Toi, je vais te monter un petit peu, voilà, en bouclier, je m'en fous. Et Firentis. Puissance de frappe, voilà. Et moi aussi, je viens de monter de level. Hop, remonter en charisme, sachant que ça, c'est des... Ah oui, mais non. Groupe. Premier secours, soins des blessures et pillage. Premier secours, soins des blessures et
Pillage, je sais pas, bon bah. Soin des blessures. Ok, bon, bah voilà, Praven s'est récupéré, direction Lyallen, et on aura tout réussi. C'est parti, on y va. Sunwara Graven, ok. On va tellement arriver à. On va leur rouler dessus. Ils ont rien récup. C'est des échelles. Ils ont l'air d'avoir rien récupéré du tout. Et bim! Ah, c'est sympa comme map, là, pour le coup. Il faut passer une petite rivière et tout. Bon, la flotte est bizarre, par contre. Et oh! Je l'ai pris où, la flèche? Dans le genou? J'ai même pas regardé. Mais je vais arriver, je vais être mort parce que le bouclier il sert à rien, ça passe au travers. Bon. Vous me saoulez ceux qui utilisent des flèches. Ok. Il y en a plein là-haut. Aïe aïe aïe. Arrête, tu m'empêches de taper. Le mec qui était avec moi, il m'empêchait de taper. Bon. Ça avance. On va aller au choc. L'Ezaïe, t'es tombé inconscient. Ah, il s'est cassé la gueule. Il est bien nul. Alors, deux nouveaux ennemis sont arrivés. Ils sont arrivés par où? Ils sont arrivés par là? Avancez au lieu de bloquer le passage. D'accord, ça va vite me saouler vu la gueule du checkpoint. Voilà, ça, je sens que ça va me saouler vite, très très vite. Ils étaient obligés de se mettre là-haut, dans un petit goulot d'étranglement avec le vide chez nous. Vous allez me dire, c'est très avantageux pour eux parce qu'ils n'ont pas le vide. Par contre, nous, effectivement, on a le vide. Ils peuvent nous repousser. À la 300. Allez, d'accord, le rip-hop est carrément là. On y est déjà dessus. C'est un bordel. C'est tellement n'importe quoi. Je peux pas passer parce que là pour le coup c'est vraiment un goulot d'étranglement. Tout ce que je peux faire c'est attendre que ça nous ripop dessus. Mais bon, pour le peu qui arrive. Oh, j'ai touché quelqu'un. J'aurais pas cru. Bon. Tellement de violence. Ok, là ça recule, je vais aller chercher. Reviens dès là. Voilà. À l'abattoir. Ok. Il en reste 5, ils doivent être là-bas. On va y arriver. Oh, le carnage! Elle est gens à moi, je crois, quand même. Ouais, ils sont tout rouges, c'est dégueulasse. Là, pour le coup, sur un tel carnage, tu glisses. Hein. C'est genre, t'essayes même pas de marcher, il y a tellement de sang par terre que c'est. Que tu dois glisser, mais genre. Oula.
Ok. Easy. C'est où les autres? Il y en a un là-haut. Il y en a deux derrière. Il reste un. Voilà. Et la dernière prise de donjon, elle est pour nous. Trop facile. Oula. Wow, 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 9 points de dégâts. Et ben voilà. C'est fini. Ok, ok, on va récupérer 2-3 trucs pour les mettre dedans. C'est des soidiens. C'est marrant. Pourquoi c'est des soidiens qui sont ici? C'est censé appartenir au royaume des Rodok de base. Voilà, on va poser un petit. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va acheter de la nourriture et on a réussi. On a réussi, mesdames et messieurs. Nous avons réalisé ce qu'on voulait faire depuis le départ, en fait. Mais ça fait un bout de temps qu'on voulait le faire, c'est-à-dire prendre le contrôle de Caldaria en entier. Bon, après, c'est vrai que je suis pas le roi de ce royaume, mais voilà, on l'aura fait. On aura fait une sacrée partie. Je voudrais rendre un petit peu le Kargit Khanat. Il y a encore des gens. Occupe nulle part, mais voilà, il y a encore des gens. Le royaume des Nords occupe nulle part, mais il y a encore des gens. C'est trop drôle. C'est vraiment très très drôle. Bon, bah voilà, hein, on est arrivé au bout. Royaume des Nords n'est plus. Bim! Ça a été vite fait. Et c'est marrant parce que le Kargit Khanat, ils ont beau ne plus rien avoir, ils sont toujours là, quoi. C'est très étrange. Bon, peut-être c'est un bug, je sais pas, parce que là, pour le coup, ça a été instant. Tiens, il y a des bandits. On va faire des bandits, voilà, histoire de finir, on va faire des bandits par là où on a commencé, en fait. Par des bandits. 55 bandits qui vont comprendre ce que c'est que se frotter à l'armée. 55 bandits, ça fait quand même beaucoup, hein. Je pense que ça fait une petite armée, quand même. Hein. Aïe. Il m'empêche juste de passer. Ok. Allez. Je me suis arrêté sur quoi là? Ah, il reste plus rien, là il en reste 6. Et ben voilà, c'était trop facile. Hop, voilà. Ok, bon bah on a réussi à tout faire, on a réussi à éliminer les factions concurrentes. Bon, il reste toujours le Kargit Khanat, hein, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un bug. Il reste poursuivre un certain temps. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai réussi à éliminer le Royaume des Nords d'un coup, là, mais l'autre, je sais pas. Bon bah sur ce, je pense qu'on va arrêter là pour ce let's play qui aura duré longtemps, mais longtemps. Ah. Ils sont combien, tiens, je rigole. 1. D'accord. Tu m'étonnes qu'ils arrivent à rien. 218 soldats contre 1. On va les défoncer.
Je suis sûr qu'il est en train de me foncer dessus. Il est où? Je sais pas où il est. Où es-tu? Voilà. Tiens, allez vite. Ok, bon bah... Voilà, j'ai envie de dire, on va peut-être arrêter là, sur ce let's play qui aura duré longtemps, hein, parce qu'on aura fait 5 saisons, bon, avec des tailles inégales, je crois que la saison 2 ou la 3, je sais plus, j'ai fait 50 épisodes, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Voilà, là, celle-là est beaucoup plus petite, mais en même temps, il y avait moins de choses à faire, il restait que le Royaume des Nords. Mais c'était sympa quand même, c'était très sympa quand même. On se retrouvera bien évidemment pour Mountain Blade Bannerlord le 2, qui n'est pas encore sorti pour moi, je le rappelle. Il mettra encore un petit peu de temps avant de sortir. Il n'y a même pas de date de sortie, je crois que c'est début 2018 ou fin 2017. Il n'y a encore rien de prévu. Du coup, calmez-vous les gens, je ne peux pas faire... Je peux pas aller plus vite que la musique. Voilà. Ne me demandez pas toutes les deux secondes de faire du Bannerlord. J'en ferai, mais pas tout de suite parce qu'il n'est pas encore sorti. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. On se retrouve bien évidemment dans 4 jours pour un tout nouveau let's play. Je sais d'ores et déjà ce que ça va être. Ça va être un tout petit let's play, genre 2-3 épisodes, pas plus. Mais ça va être sympathique. Voilà. Sur ce, à la prochaine fois. Et puis, salut à tous. Portez-vous bien.